Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Au commentaire, Benjamin Da Silva et celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca. On va vivre ensemble ce match passionnant, Nuremberg contre Saint-Étienne. Et oui, on y est presque. Vous sentez la pression qui monte, la petite adrénaline. Le coup d'envoi, c'est pour tout de suite. Et voilà la composition officielle de cette formation. 4-5-1 conventionnel. Conventionnel, mais toujours très efficace si tu veux être infranchissable au milieu. Et un œil sur les 11 titulaires de cette équipe. Le 4-3-3 spécial Messi, on le connaît. L'attaquant des pointes qui décroche au milieu. C'est le falso 9, le faux 9. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Pierre Gabriel. Morgan. Allez, il y a de la place sur ce côté. Il y a un peu d'espace dans l'axe. La parade, quel arrêt sur cette action! Il y a tout dans cet arrêt, la présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. Petite astuce, c'est jouer court. L'attaque se poursuit, balle au pied. Ah, la prise d'information pour amorcer une attaque. Oh, la bonne parade! L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. La projection dans le camp de l'adversaire. Et très bonne intervention du gardien. Et c'est reparti, nouveau corner. Un corner qui est bien ajusté. Jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Et l'arbitre indique le poteau de corner. Petite combinaison. Ballon intercepté, bonne intervention. Ouais, faute, l'arbitre l'a vu, mais elle laisse jouer. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Oh oui, la frappe! Le gardien s'interpose sans grande difficulté.
Bien fait ça, sans faute. Ouais, le jeu est là, dans ces espaces latéraux. Et le match peut basculer. Intervention du gardien. Quelle parade! Son corps a obéi à son désir de garder le match nul. Suite à cette parade, on va voir s'il y a peut-être une réaction dans son équipe. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et l'arbitre là qui décide d'arrêter le match parce que la blessure semble plutôt sérieuse. Ça y est, le jeu peut reprendre, balle à terre. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Ah, il est loin. Et voilà, un ballon parfaitement capté. Ah non, c'est très mal donné. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Pierre Gabriel. Et il remporte son duel, bien défendu. Bon travail sur l'aile pour bouger le bloc adverse. Il frappe. Et oui, le bon réflexe. Corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Ah, le ballon est rendu. Ah, la défense concède le corner là-dessus. Ah, il est bien frappé ce corner. Oh, la parade exceptionnelle! Tout le monde l'a vu dedans, cette tête! Eh oui, tout le monde, sauf le gardien! Quel arrêt hallucinant! Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Et c'est un nouveau corner. Le corner. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Ah, il vient fixer dans l'axe. Ah ouais, le gardien se détend bien. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Oh, il la frappe. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Mais
mais non, dans l'autre sens. Le ballon était dans les pieds. L'intervention défensive est ratée et ça donne une occasion énorme pour l'adversaire. Moi, je suis le coach, je vois ça, je démissionne, il n'y a rien d'autre à faire. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 3 minutes supplémentaires. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Pas de jaune sur cette action, mais une simple faute signalée. C'est plutôt une bonne nouvelle en ce qui les concerne, parce que franchement, le jaune n'aurait pas été de trop. Pour égaliser, mais comment peut-on rater une occasion pareille d'égaliser? C'est invraisemblable. Tout le monde se prend la tête dans les mains, ou les mains dans la tête. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires, c'est la fin de la première période. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Parfait ce tacle dans la surface. Jamais évident de siffler des fautes dans la surface. Mais pour les supporters, le pénalty était flagrant. Ils sont pas contents. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Le ballon sort en touche. Oui, la parade. Le corner. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Ah, il peut frapper pour égaliser. Ah, le ballon est enveloppé, mais cadre complètement loupé. La position du corps n'est pas la bonne. Le corps est mal placé par rapport au ballon. Total, rien ne fonctionne. Et l'arbitre intervient pour un retour de position de hors-jeu. Une passe un peu forcée, il aurait fallu temporiser. Ouais, bonne intervention là. Ah, le contre est possible. L'action se poursuit. Ouais, ballon pour une frappe. Ouais, le ballon sort en corner.
Et ce corner est joué court. Et oui, c'est réussi, il est passé. Bien défendu dans sa propre surface. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ah, la puissance était là, mais c'est tout, hein. Il n'y a pas du tout la précision. Ça partait comme Cristiano, mais ça finit comme Papadopoulos. Voilà, le remplacement intervient. Ça sort en touche. Allez, changement donc. Ah, il élimine son adversaire. La grosse occasion pour égaliser peut-être. Oh non, l'occasion, la grosse occasion manquée. Oh là là. Oui, mais heureusement pour lui, il y avait une position de hors-jeu au départ. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Il dépose l'adversaire là. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Il remporte son duel, bien défendu. Le temps passe, le chrono tourne, mais l'égalisation peut être sur cette attaque. Non, ça ne passe pas, le ballon est contré. Pas de véritable difficulté sur ce ballon. Ah, la faute elle est grossière et le geste est pas du tout maîtrisé. Attention. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ouais, super effort pour récupérer le ballon. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et bien joué dans la profondeur. Et un corner qui pourrait bien leur offrir une avance plus confortable. Allez, bien frappé ce corner.
Et l'option de la contre-attaque est possible. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score. Et c'est donc là-dessus que l'arbitre siffle la fin de cette rencontre avec un mauvais résultat pour l'équipe en déplacement. Dans un match de football, soit on gagne, soit on apprend. Aujourd'hui, on a appris. C'est l'essentiel.